Bonjour à toutes et à tous. Ici Mikey play Mike. Je suis de retour après deux semaines de vacances bien méritées. L'actu jeux vidéo reprend de plus belle sur la chaîne du Geek. C'est parti. Actuellement, le Nintendo Labo comporte deux ensembles d'accessoires le Toy-Con 1 appelé Multi -Kit, et le Toy-Con 2 appelé Kit Robot. Nintendo a annoncé récemment la sortie prochaine de Nintendo Labo Toy-Con 3 Kit véhicule. Dans celui-ci, nous pourrons construire une voiture, un sous-marin, un avion, une pédale, deux clés et bien plus encore. Pour passer d'un véhicule à un autre dans les mini-jeux fournis avec le kit véhicule, il faudra juste passer la clé d'un ensemble en carton au suivant afin de profiter de ces véhicules sur toute la map du jeu. Nintendo a diffusé une bande-annonce nous montrant des courses, des combats de véhicules ou de l'exploration. Un second joueur pourra même faire office de copilote grâce à la deuxième clé. Chaque véhicule se pilote de manière différente et dispose de commandes spéciales. Les interactions avec les Toycon dans le monde réel sont instantanément retranscrites en action dans le jeu pour plonger les joueurs dans une aventure immersive. Ils peuvent par exemple tirer sur la ficelle pour partir en winning avec leur voiture ou encore appuyer sur un bouton pour lancer un grappin depuis le sous-marin. De mon côté, je me suis déjà procuré le Toycon 1 et le Toycon 2 et j'attends avec impatience ce Toycon 3 pour pouvoir construire et jouer en m'amusant. La date de sortie du kit véhicule est fixée au 14 septembre 2018 au prix de 69,99€. C'était ma kit, Mike. Salut!